Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une lecture du premier roman de Marc Lévy. Je vais vous lire le premier chapitre du roman « Et si c'était vrai ?» Été 1996. Le petit réveil, posé sur la table de nuit, en bois clair, venait de sonner. Il était 5h30 et la chambre était baignée d'une lumière dorée, que seules les aubes de San Francisco diffèrent. Toute la maison y dormait, la chienne calée couchée sur le grand tapis, Lorraine enfouie sous la couette au milieu de son grand lit. L'appartement de Lorraine surprenait par la tendresse qui s'en dégageait. Au dernier étage d'une maison victorienne sur Green Street. Il se composait d'un salon cuisine à l'américaine, d'un dressing, d'une grande chambre et d'une vaste salle de bain avec fenêtre. Le sol était en parquet blanc à lattes élargies. Celle de la salle de bain était blanchie à la peinture et quatillée de carreaux noirs peints au pochoir. Les murs blancs s'ornaient de dessins anciens chinés dans les galeries de New Street. Le plafond était bordé d'une moellure boisée, finement ciselée par les mains d'un menuisier talentueux du début du siècle, que Lorraine avait rechappé d'une teinte caramel. Quelques tapis de coco gancés de jute beige délimitaient les coins du salon, de la salle à manger et de la cheminée. Face à l'âtre, un grand canapé en cantonade et cru invitait à une assise profonde. Les quelques meubles épars étaient dominés par de très jolies lampes rehaussées d'abat-jour plissées, acquises une à une au fil des 3 dernières années. La nuit avait été très courte. Interne en médecine de San Francisco, Memorial Hospital, Lorraine avait dû prolonger sa garde bien au-delà de 24 heures habituelles, en raison de l'arrivage tardif des victimes d'un grand incendie. Le premier ambulance avait gilé dans le sas des urgences 10 minutes avant la relève et elle avait engagé sans attente le dispatching des premiers blessés vers les différentes salles de préparation, sous les regards désespérés et des équipiers. Avec une méthodologie de vertueuse, elle auscultait en quelques minutes chaque patient, attribuait une étiquette de couleur matérialisant la gravité de la situation, rédigeait un diagnostic préliminaire, ordonnait les premiers examens et dirigeait les brancardiers vers la salle appropriée. Le tri de 16 personnes débarquées entre minuit et minuit 15 fut terminé à minuit 30 précise. Et les chirurgiens rappelés pour la circonstance purent commencer leurs premières opérations de cette longue nuit, 11h moins le quart. Lorraine avait assisté le docteur Farinstein au cours de 2 interventions successives. Elle ne rentra chez elle que sous les ordres formels du médecin, qui lui fit valoir que, la fatigue trompant sa vigilance, elle mettait en péril la santé de ses patients. Au milieu de la nuit, elle quitta le parking de l'hôpital en volant de sa Triomphe, entrant chez elle à vive allure par les rues désertes. « Je suis trop fatiguée et je rentre vite », se répétait-elle de minute en minute pour lutter contre l'endormissement. Mais l'idée de retourner aux urgences, côté salle et non côté coulisses, suffisait en elle-même à la tenir éveillée. Elle actionna la porte télécommandée de son garage. Il gara sa vieille automobile, passant par le corridor intérieur. Elle escalada 4 à 4 les marches de l'escalier principal et entra chez elle avec soulagement. L'aiguille de la pendulette posée sur la cheminée marquait la demi de 2 heures. Lorraine fit tomber ses vêtements à terre au milieu de son grand living, d'une nudité parfaite. Elle se rendit derrière le bar pour se préparer une tisane. Les bocaux qui ornaient l'étagère en contenaient de toute essence, comme si chaque moment de la journée avait son parfum d'infusion. Elle posa la tasse sur sa table de chevet, se blottit sous la couette et s'endormit instantanément. La journée précédente avait été beaucoup trop longue et celle qui s'annonçait nécessitait un lever matinal. Profitant de 2 jours de congé, qui pour une fois coïncidait avec un week-end, elle avait accepté une invitation chez des amis à Carmel. Si la fatigue accumulée justifiait pleinement une grasse matinée, rien n'aurait pu lui faire retarder ce réveil précoce. Lorraine adorait le lever du jour sur cette route qui borde le Pacifique et relie San Francisco à la baie de Monterey. À moitié endormie,
Elle cherchait à tâtons le poussoir qui intromperait le carillon du réveil. Elle se frotta les yeux, ses deux poings fermés, et posa son premier regard sur Kali, couché sur le tapis. « Ne me regarde pas comme ça, je ne fais plus partie de cette planète. » Au son de sa voix, sa chienne s'empressa de faire le tour du lit et posa sa tête sur le ventre de sa maîtresse. « Je t'abandonne pour 2 jours, ma fille. Maman passera te chercher vers 11 heures. Pousse-toi, je me lève et je te donne à manger. » Lorraine déplia ses jambes, baya longuement en étirant ses bras vers le ciel et sauta sur ses deux pieds joints. Tout en se frottant les cheveux, elle passa derrière le comptoir, ouvrit le réfrigérateur, baya à nouveau, sortit beurre, confiture, toast, boîte pour le chien. Un paquet entamé de jambon de Parme, un morceau de gouda, une tasse de café, 2 pots de lait, une coupe de compote de pommes, 2 yaourts nature, 10 céréales, 1 demi-pamplemousse. L'autre moitié restait sur l'étagère du bas. Kali la regardant en hochant la tête à plusieurs reprises. Lorraine lui fit les gros yeux et cria « J'ai faim !» Comme d'habitude, elle commença par préparer le petit déjeuner de sa protégée dans une lourde gamelle en terre cuite. Elle composa ensuite son propre plateau et se mit à son bureau. De là, elle pouvait en tournant légèrement la tête contempler ce salito et ses maisons accrochées aux collines. Le Golden Gate tendu comme un trait d'union entre les deux côtes de la baie, le port de pêche de Tiburon et sous elle, les toits qui s'entendaient en escalier jusqu'à la marina. Elle ouvrait la fenêtre en grand. La ville était totalement silencieuse. Seules les cornes de brume des grands cargos en pertinence pour la Chine, mêlées aux cris de mouettes, venaient rythmer la longueur de ce matin. Elle s'étira à nouveau et s'attaqua d'un vif appétit à ce petit déjeuner gargantuesque. Hier soir, elle n'avait pas dîné, faute de temps. Par 3 reprises, elle avait bien essayé d'avaler un sandwich. Mais à chaque tentative, son beeper avait grelotté, la rappelant à une nouvelle urgence. Lorsqu'elle la rencontrait et qu'on l'interrogeait sur son métier, elle répondait invariablement pressée. Après avoir dévoré une bonne partie de son festin, elle dépassa son plateau dans l'évier et se rendait dans sa salle de bain. Elle fit glisser ses doigts sur les persiennes en bois pour les incliner. Abandonna sa chemise de cantonade blanche à 6 pieds et entra sous la douche. Le puissant jet d'eau tiède acheva de la réveiller. En sortant de la douche, elle enroula une serviette autour de sa taille, laissant ses jambes et ses seins nus. Face à la glace, elle fit la moue, se décida pour un maquillage léger, enfila un jean, un polo, enleva le jean, passa une jupe, enleva la jupe et remit le jean. De l'armoire, elle reprit un sac polochon en toile et jeta quelques affaires, son nécessaire de toilette, et se sentait fin prête pour son week-end. En se retournant, elle regarda l'étendue de désordre régnant. Vêtements au sol, serviettes éparses, vaisselle dans l'évier, détrit défaite, prit un air très décidé et clama à voix haute en s'adressant à tous les objets du lieu. « On ne dit rien, on ne râle pas. Je rentre tôt demain et je vous range pour la semaine. » Puis, elle attrapa un crayon et un papier et rédigea la note suivante, avant de la coller sur la porte de réfrigérateur avec un grand aimant en forme de grenouille. « Maman, merci pour la chienne. Surtout ne range rien. Je m'occupe de tout en rentrant. Je passe chez Sikali directement chez toi. Dimanche, vers 5 heures. Je t'aime. Ta docteur préférée. » Elle enfila son manteau, caressa tendrement la tête de sa chienne, posa un baiser sur son front et claqua la porte de la maison. Elle descendait les marches d'un grand escalier, passa par l'extérieur pour rejoindre les garages et sauta presque à pieds joints dans ce vieux cabriolet. « Partie, je suis partie », se répétait-elle. « Je ne peux pas y croire, c'est un vrai miracle. Reste encore à ce que tu veuilles, bien démarrer. » Amuse-toi, ne serait-ce qu'à tousser une fois. Je noie ton moteur avec du sirop avant de te jeter à la casse. Et je te remplace par une jeune voiture tout électronique. Sans starter et sans état d'âme quand il fait froid le matin. Tu as bien compris, j'espère.
contact. Il faut croire que la vieille Anglaise fut très impressionnée par la conviction des propos de sa maîtresse, car son moteur se mit en route au premier tour de clé. Une belle journée s'annonçait.